messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Star Live sur le www.guineanews.org. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau deux grandes personnalités de la communauté guinéenne au Canada. Il s'agit également de Fama Traoré, du comité Miss Guinée Canada, et notre nouvelle ambassadrice, Mademoiselle Saramba. Voilà, c'est la nouvelle Miss Guinée Canada 2014. Et je suis très ravi encore aujourd'hui de le recevoir sur ce plateau dans l'émission Star Live. Alors, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Très fier de toi. Oui. Toutes mes félicitations, merci, encore une fois. Merci beaucoup. Et Fama Traoré, bonsoir et bienvenue dans l'émission Star Live. Bonsoir. Tout le plaisir pour moi de te recevoir encore sur ce plateau. Alors, Miss Bass, ça n'a pas été facile. Et puis, présente-toi encore à tes fans, parce que tu as beaucoup de fans maintenant. Tu es la nouvelle reine des Guinéennes du Canada. Bonsoir déjà, pour commencer. Comme il a dit, je m'appelle Saramba et je suis Miss Guinée Canada 2014. Alors, Saran, les coulisses, parle-nous un peu les coulisses, comment ça s'est passé? Parce que moi, j'étais là dans la salle et je vous ai pu un peu stresser. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Le public est là. Explique-nous un peu les coulisses. C'était une ambiance très chaleureuse parce qu'on se soutenait entre les filles. On s'entraidait vraiment l'une coiffer l'autre, puis l'une aidait l'autre à faire ci, à faire ça. Et dans nos têtes, on était déjà toutes gagnantes. On s'était dit, peu importe le résultat, on est déjà gagnantes parce qu'on a participé à ça, on a fait un bon spectacle, puis c'était réussi. Donc voilà, c'était dans les coulisses, c'était une ambiance de fou. On était, c'était vraiment chaleureux. C'était très excitant, hein? Oui, en fait, il y avait de l'adréaline. Oui, on ne voulait pas que ça finisse déjà. Je n'étais même pas reconnu ce jour-là. Hein. C'est bizarre. J'ai dit, mais attends, mais j'ai des interviews, je ne sais même pas qui était qui, tellement ça. Tout le monde avait changé. C'était vraiment. Chacune a donné le meilleur d'elle-même. Super. Ouais. Alors, quelles sont tes impressions concernant l'événement, quand même, Miss Guinée Canada cette année? Miss Guinée Canada cette année, c'était une réussite. Une organisation très, très, très remarquable, je dirais. Merci au comité, d'ailleurs, parce qu'ils ont mis le paquet. C'était apprécié de tous, le feedback, les commentaires qui ont suivi après étaient vraiment positifs. Donc, je crois que Miss Guinée Canada, l'événement n'ira qu'en s'améliorant. Oui. Alors, tes sentiments par rapport à ton sacre le 31 août dernier, hein, c'est le 31 août, c'est oui, ça, c'était le 31. Alors, parle-nous de tes impressions. Comment ça se passe quand les gens te voient? Je sais qu'on t'appelait partout dans le monde. Oui, de partout et, dans le monde. Les parents, les amis. Oui, oui. Est-ce que les choses ont changé? Alors, parle-nous tes impressions. Parce que Sarah n'est plus la même, là. Juste, si, c'est toujours la même, mais avec quelques changements. Voilà, mais c'est important ça. Alors, mais je suis très honorée déjà d'être Miss Guinée Canada, puis aussi très fière. Fière parce que les personnes qui comptent pour moi sont fières de moi, donc c'est une grande satisfaction personnelle. Ça m'a juste grandi en fait l'événement. J'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Puis ça m'a grandi en fait. C'est des événements de la vie, des passages auxquels je vais me répéter, des passages auxquels on passe. Désolée, mais c'est des événements de la vie qui nous changent en fait, qui nous grandissent. Mais est-ce que tu sais que je vais te dire un petit secret, que tout le monde était unanime. Nous sommes des hommes des médias, donc on entend par-ci par-là, on s'est renseigné sur Facebook, sur Internet, mais tout le monde était unanime que non seulement tu es intelligente, mais tu avais 90% de chances que tu gagnes. Mais alors comment tu vis ça? Quand les amis à l'école, est-ce qu'on sait que tu es la nouvelle Miss Guinée Canada? Comment tu vis ça? Ceux de ma communauté, oui. Puis, ce qui fait d'ailleurs que je vous remercie beaucoup, 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 parce que j'étais vraiment soutenue du début à la fin. Bien avant que je n'y participe ou que je ne décide d'y participer, il y avait déjà beaucoup de personnes qui m'encourageaient à le faire. Donc, merci pour ça. Mais on m'a dit que cette année, Miss Guinée Canada, que la couronne est en diamant. Est-ce que c'est vrai? Oui, vous voulez toucher, oui. C'est vraiment un diamant. Hein. Alors, félicitations, hein, le comité. Hein. Ils ont mis le paquet, ça, je peux le dire. Ah, je pourrais dormir avec. Ça se voit, ça se voit. Et d'ailleurs, tu es la plus belle des Miss que j'ai vue, hein, d'ailleurs. Waouh, merci. Moi, je suis touchée. Hein, je défends ma Miss. Je suis touchée, merci. Oui. Alors, on va passer à Fama Traoré. Toutes mes félicitations, hein, la réussite de cette année. Franchement, merci. On est fiers de vous. C'était un grand événement. Moi, j'étais dans la salle. Franchement, je suis touché quoi, par tout ce qui s'est passé, votre temps, etc. Je sais que ce n'est pas facile et que les parents
ne laissent pas leurs filles le plus souvent parce que sans leurs enfants, il n'y a pas de Miss Guinée-Canada. Et ils ne laissent pas souvent laisser leurs enfants venir participer à ces événements. Alors, Fama, parle-nous de contour, de la difficulté de l'année passée, cette année et tout ce qui s'est passé. Également, sensibiliser les parents à laisser leurs enfants, parce que c'est la culture de chez nous, participer à un événement comme ça, la beauté africaine, la beauté guinéenne. Alors, on voudrait vraiment t'entendre expliquer comment ça se passe, Miss Guinée-Canada. Merci Didier. D'abord, bonsoir à tous qui nous suivent ou tous qui suivent cette émission en direct sur guineanews.org. Je commencerai tout d'abord par remercier Guinée News et je ne cesse de le dire, Guinée News pour moi est une excellente vitrine pour la culture guinéenne, mais aussi pour les nouvelles du pays. On remercie l'équipe de Guinée News pour ça. C'est un travail bénévole que l'équipe fait et c'est très bien apprécié parce qu'à travers Guinée News, on est informé de tout ce qui se passe en Guinée. À travers Guinée News, la culture guinéenne, elle est vue de partout. Donc, je devrais commencer par ça. Et pour parler de l'organisation ou de l'année dernière, en fait, après l'édition de l'année passée, on a beaucoup plus écouté parce que tout n'était pas mauvais, mais les gens s'accentuaient davantage sur les aspects négatifs de l'organisation. Donc, nous, on a beaucoup plus écouté pour voir les commentaires des gens. Mais à notre niveau aussi, on se regardait au miroir pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Donc automatiquement, je travaille avec l'équipe pour mettre des commissions en place pour voir au niveau du travail de chaque comité qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. J'ai demandé les rapports de chaque commission pour essayer de voir pour qu'on ait une conclusion sur des leçons à tirer. Donc nous avons fait ce travail de longue haleine. C'est ce qui nous a permis de nous lancer dans les préparatifs de 2014. Et si 2014 a été un succès, c'est parce que nous avons su corriger les erreurs de 2013. De ce côté-là, franchement, big up, comme on le dit. Vous aviez vraiment mis le paquet, c'était vraiment superbe. Moi, j'étais là, j'étais impressionné. Je crois que l'année prochaine, là, c'est sûr qu'il faut changer de salle. Hein. La salle, d'abord, c'est une très belle salle. Hein. Ouais. Elle est grande. Et c'est la première fois que vous organisez là. Absolument, absolument. Ah oui, elle est vraiment superbe. Oui. Mais je crois que tu en as besoin de deux fois le Palais du Peuple l'année. J'y réfléchis aussi, hein, parce qu'il y a eu tellement de demandes de gens qui n'ont pas pu faire le déplacement. Alors, parle-nous un peu de feedback des gens. C'est sûr que beaucoup de gens t'ont appelé là. Ah non, j'ai éteint mon téléphone le lendemain pour mieux dormir là, parce qu'on n'a pas pu dormir. La dernière semaine qui a précédé l'événement, je ne peux pas dire jusqu'où. J'étais très ému et jusque maintenant, je suis encore ému parce que jusqu'à présent, les commentaires positifs, les gens partout, on me rencontre, que ce soit les sages de la communauté, les jeunes, tout le monde me dit, continuez. Mais est-ce que tu voyais ça venir? Parce que après notre émission Star Live, l'émission précédente, franchement, moi, j'avais mon sixième sens me disait que ça allait réussir. Est-ce que toi aussi, tu avais eu ce sentiment-là? Didier, je te dirais que je suis quelqu'un qui ne recule jamais devant les moyens qu'il réclame. Ça se voit. Donc, disons, il y a un adage chez nous qui dit « Iwulito riati yara swade ». Donc, si je voyais que je fonçais directement vers le mur, je ne vais pas faire exprès. C'est parce que j'y crois. Je sais que nous allons aller en s'améliorant et nous allons faire ce que le public veut que nous fassions, c'est-à-dire les satisfaire comme il faut, grandir cet événement à travers la qualité, la persévérance, et je crois bien que c'est ce que nous avons réussi à faire. Absolument. Non, mais en tout cas, on était honorés. Et je crois que tu vas me permettre quand même de passer quelques passages de l'événement Miss Guinée. On va voir tout de suite Miss Guinée Canada élection 2014. Alors, mesdames et messieurs, la candidate numéro 5. Très très fort pour Miss Guinée-Canada 2014.
Une dernière main d'applaudissement pour Romy, s'il vous plaît. Waouh. Ben voilà, vous venez de voir quelques séquences, hein, parce qu'on ne pourrait pas tout mettre pour vous, quelques séquences de cette élection. Vous aviez vu vous-même, vous allez juger par vous-même, mais c'était vraiment bien organisé. Vous avez vu comment les filles étaient superbement belles, elles étaient vraiment toutes mises, même si c'est une qui a gagné, mais elles étaient toutes les Miss, elles ont vraiment représenté la Guinée. Vous avez vu par vous-même. Et encore, je tire mon chapeau, l'organisation. On n'a pas fini. Je voudrais simplement que tu sensibilises des parents. Parce que tu sais, ça c'est important pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de candidates l'année prochaine. Alors, tu sais, les parents sont réticents. C'est un message important que je délivre à l'instant. Voilà. Parce que ce que nous faisons, la plupart des parents, peut-être c'est après l'événement, se rendre compte de l'importance de la chose. Mais on aimerait que le message passe avant l'événement, parce que c'est ce qui va leur permettre d'encourager leurs filles ou de les soutenir à se présenter à cet événement. Parce que nous le faisons pour le pays, pour grandir notre culture. Et nous savons que des filles viennent ici à très bas âge, donc elles n'ont aucune référence, aucun repère de nos valeurs. Donc Miss Guinée est là pour ce rappel, Miss Guinée est là pour créer ce sentiment d'appartenance et d'approchement également des valeurs du pays. La plupart des filles également ne sont pas impliquées au sein de la communauté. Mais Didier, vous êtes témoin de cela. La plupart des éditions précédentes des filles qui ont participé, la plupart, c'est après ces éditions qu'on les a, on a commencé à les voir au sein de la communauté. Donc pour nous, c'est d'aider les parents à ce que les enfants puissent s'impliquer, s'intégrer au sein de la communauté, ça c'est un. Deuxièmement aussi, c'est une sorte d'éducation, c'est-à-dire créer ce sentiment d'appartenance, on les éduque en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup qui sont gênés qu'on leur dise ici, Guinéenne, on doit en être fier. Absolument. Et pour cela, il faut que les parents nous aident, acceptent que les enfants participent à cet événement et à travers cet événement, les grandir, grandir notre pays et grandir notre communauté. Absolument. Mais Fama, est-ce que vous envisagez par exemple, parce qu'il y a Miss North America qui est organisée par notre consoeur à Ouabari, qui fait un grand boulot, c'est pas facile en tant que femme, elle fait un travail extraordinaire. Et bien du côté de la France aussi, avec Miss Guinée France, avec l'association des jeunes Guinéens de la France, mais également en Belgique aussi. Ils ont organisé la veille de votre événement avec Benibi et c'est super tout ça. Mais est-ce que vous aviez, vous voulez créer une association, par exemple Miss World Guinée, quelque chose comme ça, plus que ça soit beaucoup plus plus grand. Est-ce que vous envisagez par exemple entre vous, vous collaborez entre vous? La question elle est bonne, je le dirai, parce que bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler ou comment vous avez su deviner cela. Nous avons déjà commencé cela, parce que je dois tout d'abord souligner, disons, la persévérance de Saint-Kofi, qui est l'organisateur. Qui organise Miss Taboro. Il fait partie du comité d'organisation. Aussi, c'est ça. Exactement. Ah, okay, donc, j'ai déjà commencé avec lui. On a déjà eu à communiquer au téléphone, où on a eu à faire des échanges sur un projet similaire. Et lors de mon déplacement en 2010 en Guinée, je suis allé le rencontrer dans leur local. On a eu à parler de cela parce qu'il proposait à ce que nous organisons Miss Guinée à l'échelle internationale, voilà, différentes Miss. Mais là, ça a été une suite continue. Ça a été une suite parce qu'après cet événement, il m'a appelé le lendemain de l'événement et il a fait pareil pour les autres événements qui s'organisent dans les autres pays. Et je dois vraiment vous dire que nous avons déjà commencé le travail. On est en train de forger une base de données, de communication entre les membres des différents comités d'organisation pour faire en sorte que les événements peut-être ne soient pas trop proches l'un de l'autre pour que nous puissions ensemble se soutenir mutuellement, faire la promotion des événements malgré que ça se fait en France, aux États-Unis ou en Belgique, mais on puisse les soutenir et vice-versa. Et à travers ça, qu'il y ait une synergie commune de groupe, qu'on puisse créer quelque chose qui va nous permettre non seulement de faire d'autres choses que nous ne faisons pas présentement, mais comment nous pouvons aussi aider la Guinée. Parce que nous faisons la promotion de la culture guinéenne d'un côté, mais ce n'est pas le seul volet. C'est important. Voilà. Ok, vraiment, tu nous as tout expliqué, en gros. Et c'est encore toutes mes félicitations, franchement. Je sais que
C'est facile hein, de parler dans son salon, mais quand tu es dans un événement comme ça, pour organiser un tel événement, c'est vraiment pas facile. J'en suis témoin, quoi. Et alors, merci encore. On va revenir sur notre reine, la reine du Canada, mademoiselle Miss Saramba. Alors, tu sais très bien que, comme à chaque année, la Miss a toujours un projet humanitaire. Alors, tu peux nous parler un peu de ton projet à toi ? Oui, bien sûr. Mon projet, il ne touche pas seulement une catégorie de personnes, ou disons les femmes, les enfants, les jeunes. Non, c'est bien plus large que ça. C'est vraiment porté sur l'éducation pour tous, pas seulement pour les filles. Parce que pour moi, nous, on ne peut pratiquement rien faire à nous en ce moment. Il faut vraiment préparer la relève, les former pour qu'ils puissent faire quelque chose, changer quelque chose, parce que c'est bien dommage qu'on entende parler de nous dans le côté négatif, que ce soit avec Ebola ou tout ce qui s'ensuit. J'aimerais vraiment qu'on parle de notre pays dans un sens positif. Donc pour ça, il faudrait qu'on s'accentue sur l'éducation, parce que c'est les générations à venir qui peuvent faire quelque chose. On ne doit pas, et comme les Canadiens disent, on ne doit pas niaiser là-dessus. Et c'est vraiment important. Puis pour moi, c'est la base de tout. Alors, on doit s'attendre à quoi durant ton mandat ? Ton mandat, c'est un an, c'est bien ça ? Oui. Alors, on doit s'attendre à quoi, hein, de notre Miss, notre reine ? Déjà, je développe mon projet petit à petit. C'est avec mes sœurs et avec l'appui du comité. Oui, on est en train de tout mettre en place. Puis d'ici l'été prochain, tout sera fixé, puis on pourra commencer. Vous pouvez vous attendre à une Miss qui met en avant le côté éducationnel, si je peux le dire ainsi, qui met vraiment l'emphase sur tout ce que quelqu'un est, pas physiquement, mais ce que la personne a dans la tête, en fait. C'est bien plus ça. Alors en dernier, parce que je ne vais pas te retenir longtemps, tu sais, les Miss sont tellement occupées. D'ailleurs, comme il a dit tout à l'heure avec les comités, j'aimerais sincèrement rencontrer les autres Miss, parce que pour moi, c'est France, Canada, Belgique, Benelux, c'est un suffixe en fait. Pour moi, Miss Guinée, c'est Miss Guinée, on vient tous du même pays. Donc j'aimerais qu'on se rencontre. J'irai partout parce que je dois faire une entrevue également avec Miss Guinée et la Belgique. C'est à travers cette émission, justement, on m'a appelé pour faire une émission. On m'a aussi invité, je crois, il y a un ou deux ans à Miss Guinée France. Et Miss Guinée North America, et j'étais là aussi il y a quoi, 4 ans, hein, 4 ans de cela. Donc à chaque fois qu'il y a des affaires de Miss quelque part, on m'invite. Donc c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Oui. Partout, les gens ils se battent pour cet événement, pour que ça soit vraiment une réussite. Et c'est ce que le comité Miss Guinée Canada aussi a réussi à faire cette année. Oui, donc alors, si on travaille tous ensemble. En dernier, en tant qu'ambassadrice de la culture guinéenne au Canada, je voudrais tout simplement savoir ce que tu en penses de cette maladie qui est en train de ravager vraiment notre région. C'est-à-dire, je parle de la Guinée, l'Australienne, également le Libéria, et d'ailleurs dans d'autres pays aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce virus-là? Franchement, c'est stigmatisé partout, c'est ce qu'on en parle, toutes les radios, tu le sais très bien. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est bien dommage, comme je le disais tout à l'heure, que les seules fois où on parle de notre pays, que ce soit négatif, que ce soit toujours les choses qui ne vont pas qu'on dise. C'est vrai que Ebola, c'est pas vraiment notre faute parce que c'est naturel, c'est une maladie qu'on contrôle pas. Mais ce que je dirais, c'est qu'on commence à s'aider nous-mêmes, qu'on n'attende pas de l'aide de l'extérieur avant de commencer à faire quelque chose. On peut s'accentuer sur la sanité, par exemple, sur la propreté. Essayer de trouver des moyens à l'interne pour que ça s'arrange. Puis si l'extérieur veut bien nous aider, elle est bienvenue, l'aide est bienvenue. Alors, merci beaucoup encore une fois, la Miss, la nouvelle reine de Montréal. Elle est belle, hein? À Montréal, tout est nickel ici. Alors, Fama Traoré, ton dernier mot à ton public qui te soutient, ton public qui était là nombreux. Alors, les mots me manquent déjà, mais si je dois remercier, je dois commencer d'abord par l'adage qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je remercierai en tout premier lieu ma femme, qui est ma source, ma première source d'inspiration. C'est important. Et au-delà de... Sinon, tu n'as pas dormi là-bas. Je la remercie du fond du cœur. Je remercie toute l'équipe qui a travaillé dans cette organisation, dans cette réussite, et qui, depuis les premiers jours de cet événement, qui est toujours là,
acharnés, les personnes qui sont là dévouées pour la cause, qui le font pour l'amour du pays, bénévolement. Donc ça, je tire mon chapeau pour toute l'équipe. Super. Et c'est extraordinaire. Les gens ne peuvent pas savoir comment les personnes s'impliquent là-dedans. Mais ça se passe derrière le rideau. Mais moi, je sais comment les gens travaillent. Donc, je suis très fier de mon équipe et je remercie toute l'équipe, sans distinction. Au-delà de l'équipe, je voudrais remercier tous les médias, de près, de loin, qui nous ont aidés à promouvoir cet événement, en particulier Guinée News, qui, depuis les premiers jours, est toujours avec nous. Ils nous ont aidés pour la mobilisation, pour la sensibilisation, également nous encourager au niveau des initiatives même. Ça, franchement, c'est quelque chose qui nous touche et c'est à cause de ça d'ailleurs que nous avons réussi. Donc la réussite du comité, ce n'est pas seulement le comité, c'est la réussite de la communauté guinéenne. Parce que le public qui est venu massivement, ce public nous a permis de réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser l'année passée. À travers les critiques qu'on a reçues, nous avons pu s'améliorer. Donc une fois de plus, moi je dirais merci à tout le monde et j'encourage les gens à nous soutenir, à nous encourager, mais à continuer à nous critiquer dans le sens positif. Parce que ce que nous faisons, on le fait pas parce que on veut le faire, mais on le fait pour la Guinée. Le public qui vient, vous ne venez pas parce que vous venez pour faire plaisir à quelqu'un. Vous venez pour la Guinée. Les filles qui se présentent également, elles le font pour la Guinée. Donc nous faisons tous le même combat. On a le même dénominateur commun. Donc continuons à travailler ensemble. C'est en travaillant ensemble. Absolument. On est déjà lancé dans les préparatifs de l'année prochaine, dès le lendemain de l'édition qui vient de finir. Donc on se dit encore... En 2015. Voilà. Merci. Et vraiment, encore une fois, toutes mes félicitations et merci de répondre à notre appel de participer à l'émission, toujours à l'émission Star Live sur le www.guinenews.org. Et avant ton dernier mot, juste on va regarder ce passage là où on a dit Miss Guinée Canada 2014, mademoiselle, suivez. Et j'ai nommé Miss Sarambe. Fakuli Kurima, Tony Telikanyaleka, Nifoto Morona, la première Kanou Sala, Nifoto Morona, Nye Kanou Tignala, Mon fila bimba du manioronye, Alikana Uruma Kanou Sala, Kanou Tessala, Kanou Duma Tessala, Fudu Tessala, Fudu Duma Tessala, Erebi Imadonna, qui m'a son nom qui caresse. Fouru et son caralédi, quand on canouille et d'un édi, n'y a femme, malaoulama, n'couille et d'un femme, et malaoulama, il te para casse là, malaoulama, d'un femme, canouté sala. Kanou doumante salate, foudoute sala, foudou doumante salate. Erebi ima donna misoubou, ima sonam li karese. Nta wame ta nongo, eba wafe, wame ta nongo, eba wafe. Un peu, tu étais surprise, tu pleurais, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais émue, je souriais à pleines dents. Donc après, c'était... un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a une partie là, mais je comprenais pas, t'es tombée par terre ou quoi? Non, je suis pas tombée. Hein? J'étais contente, j'étais très contente, super. Oui. Mais là, mais pourquoi, si c'était moi à ta place, j'allais tomber par terre et puis, tu comprends? Mais là, tu as quand même... Faut juste c'est savoir. Quelque chose, hein, c'est, ouais. L'émotion était là et c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Merci. Toutes mes félicitations. Alors, ton dernier mot à tes fans. Merci, je commence par ça, oui. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis le début, bien avant que je ne décide
de participer à Miss Guinée, mes amis, ma famille. Merci au comité qui a mis son 100% pour la réussite de ça et qui nous a encadrés tout au long. Merci à Star Live de nous recevoir. C'est un plaisir. Toujours. Et aussi, merci à toutes les candidates, les quatre filles. Je vous aime beaucoup. Puis, participer à ça avec vous, c'était vraiment un plaisir. J'ai appris à vous connaître. Puis, ça a élargi mes horizons. Puis, en dernier, je vais dire un grand, grand, grand merci à Hadj Ali. Désolée, monsieur le président, mais il fallait que je le fasse. Pas parce que je pense que, voilà, mais vous avez tous fait exactement, mais pour, oui, exactement. Puis pour moi, c'est elle, Miss Guinée-Canada. Il n'y a pas de 2013, il n'y a pas d'année ou de 2014, là, il n'y a pas d'année. C'est elle, Miss Guinée-Canada. Merci beaucoup. Vous avez des membres extraordinaires. Qui on devrait les citer, là, mais ça finira pas. Il y en a qui sont là depuis... Très, très, très longtemps, oui. Je pense à mon ami, par exemple, DJ Soud, qui est à Edmonton. Oui, merci à vous. Et puis, ils sont sous des... Exactement. Oui. Toutes mes félicitations. Alors voilà, ici on a été reçu aujourd'hui par le restaurant Foutagialon au 95-10 la rue Clément, c'est à Montréal, à la Ville La Salle. Merci également à la propriétaire du lieu, Madame Koulibaly Aïcha. Mais également je remercie Guinée News, le coordinateur Youssouf Bondosila, qui ne ménage d'ailleurs aucune énergie pour la Russie de Star Live. Voilà, et aussi à mon caméraman qui a tout manégancé aujourd'hui, qui a tout monté. Il s'agit de Cheikh Amadou Traoré, connu sous le nom de Seka Seka. Voilà, quant à moi, c'était Khalil Koulibaly, DJ Ikaka, dans l'émission Star Live sur le www.guineanews.org depuis Montréal.